Donc, je suis ici en tant que porte-parole d'une équipe de recherche. Comme Abib vous le disait, on était plusieurs sur cette équipe à nous pencher sur les sujets sensibles au collégial dans un contexte, on se le rappellera, un brin tendu. C'était autour de toutes les controverses là, qui ont été largement médiatisées et on a bénéficié d'un financement pour un projet de recherche PAREA en réponse à ce contexte où la médiatisation avait ça de bon qu'elle mettait à l'avant-scène des enjeux importants au fond. Mais ça nourrissait une sorte de panique morale aussi, au sens là, où on l'entend en sociologie un peu, là. Il y avait comme peut-être un grossissement d'une menace dans le contexte scolaire. Il y avait beaucoup de choses qui s'écrivaient, qui se disaient. Et justement, notre projet de recherche ne s'est pas penché sur ces controverses. Je ne suis pas ici pour parler de ça. Tout a été plutôt mal dit ou déjà dit, ou enfin, on ne saura jamais exactement de quoi il s'agissait. Mais on est apparu dans ce contexte-là parce qu'il y avait tout un débat sur la liberté académique, au fond. On se demandait ce qu'il était encore, parfois, aux yeux de certains, possible de dire dans une salle de classe, de quelle façon aborder ces sujets sensibles au collégial. Et donc, c'est un projet de recherche qui s'intéressait aux sciences sociales et humaines d'abord, parce que c'est surtout là que les enjeux liés aux discriminations diverses sont abordés, puis aussi au cours de littérature d'abord, parce que c'est là que les controverses sont apparues, dans les cours d'histoire de l'art, dans les cours de littérature. Mais on a vite débordé. On s'est rendu compte que ça concernait tout le monde, en fait, tous les programmes d'études, y compris les sciences pures. Et vous allez voir donc des témoignages de toutes sortes de professeurs qui proviennent de toutes sortes de disciplines. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse là, c'était un projet qui s'intéressait vraiment à la relation pédagogique, à la façon dont les sujets sensibles ou l'apparition des sujets sensibles dans l'espace public de cette façon nourrissait ou transformait la relation pédagogique. Donc, c'est sûr que je suis ici comme porte-parole et je vais vous faire entendre des témoignages de profs et d'élèves. Mais je vais essayer quand même aujourd'hui devant vous de transposer tous ces constats, ces remarques au milieu de vie que représente un cégep ou une institution d'enseignement quelle qu'elle soit. Et je pense que beaucoup de choses que je m'apprête à vous présenter pourront être aussi valables pour la relation d'aide et pour toutes les activités auxquelles vous pouvez vous livrer en tant qu'intervenant. C'est sûr que je vais fonctionner par induction. Je vais faire entendre des voix, toutes les voix qu'on a pu entendre d'ailleurs, pour en tirer quelques remarques, constats, commentaires, parfois pour glisser un peu vers la théorie, mais je vais essayer de me concentrer sur ce qui vous concerne vous aussi, tout en ayant en tête que d'après moi, peut-être qu'un des objectifs aujourd'hui, c'est de vous donner le pouls par rapport à ce que les profs en pensaient de cette situation-là et ce qu'ils en pensent encore aujourd'hui à Maisonneuve. On était une vaste équipe, comme vous voyez, les noms en gras, donc c'était les quatre chercheurs principaux, Nordine Lasregue, Nathalie Bélan, Alexis Poirier-Saumur, surtout. Mais donc, il y avait beaucoup de monde dans ce projet de recherche-là sur 2 ans, parce que c'était un travail d'envergure. On voulait d'abord commencer par revoir la littérature sur la question des sujets sensibles. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas du tout nouveau. Depuis les années 70, on écrit et on réfléchit à ce sujet-là, en Amérique du Nord en tout cas. C'était une équipe nombreuse et diversifiée de toutes les façons, sur le plan des âges, des origines, etc., parce qu'on voulait résister à une orientation idéologique trop campée. Ça a donné lieu à toutes sortes de discussions très vives. On n'est absolument pas monolithique dans cette équipe-là, je dirais. Et d'ailleurs, on ne vient pas devant vous aujourd'hui ou dans toutes les occasions que j'ai eues de présenter nos résultats. On ne vient pas en tant que porteur d'une vérité unique. En fait, toutes les opinions peuvent et doivent être entendues. On vient de le dire, hein, dans le contexte actuel, entre autres, ce qui est important avant tout, c'est l'écoute. Alors, on vient devant vous vous proposer un polaroid de ce qui se passe à Maisonneuve par rapport aux sujets sensibles. On ne pense pas proposer de solutions, de modes d'emploi ou de remèdes miracles. Ça n'existe pas de toute façon. Alors, on est vraiment dans la pluralité des positions possibles et légitimes, et on espère vous les présenter en les faisant toutes entendre, ces positions-là. Donc, on a parcouru la littérature, on a colligé des données, on a fait des entrevues, des groupes de discussion, une communauté de pratique, le dialogue, c'est bien important. On a présenté nos résultats dans toutes sortes d'occasions et effectivement, donc, le guide vous a été envoyé, je crois, un guide qu'on va essayer de faire circuler le plus possible parce que ça répond à un besoin. Dans ce contexte de panique morale, au fond, les professeurs se sentaient pas mal démunis. C'est en réponse à ça que notre projet est apparu comme une nécessité. Il y avait une sorte de sentiment de fatalité.
comme s'il n'y avait pas de solution. Mais en fait, on vient devant vous aujourd'hui, je viens aujourd'hui devant vous et devant tous les publics auxquels j'ai pu être confrontée pour affirmer tout à fait le contraire. Il y en a plein des solutions, elles sont très accessibles, puis elles sont multiples, à vrai dire. Je ne vais pas m'arrêter très longuement devant vous aujourd'hui sur les considérations méthodologiques, mais quand même, peut-être, pour asseoir notre projet sur un peu de sérieux, on a proposé un projet de recherche-action participative qui a adopté une démarche qualitative. Ça veut dire donc que c'était par, pour et avec les membres de la communauté, les profs comme les élèves, qu'on a essayé de faire entendre toutes les voix à travers des entrevues individuelles, des groupes de discussion, en étant au plus près du vécu. Donc, ce que vous allez lire, ce sont des témoignages qui parlent de la perception, des expériences, des discours autour des sujets sensibles dans la communauté à Maisonneuve. C'est un contexte multiculturel, très montréalais. On voulait être au plus près du vivant et ne pas adopter une démarche quantitative ou positiviste parce que, j'ai probablement pas besoin de vous dire ça à vous, mais quand on parle de statistiques, ça a tendance à invisibiliser les minorités, malheureusement. Si on dit 2 % de la population pense ceci, ça donne l'impression que ce 2 % %-là, il n'est pas important, alors qu'en fait, c'est pour ce 2 % %-là qu'on devrait travailler aussi, et peut-être même surtout, tout en n'excluant pas les 98 autres %. Donc, on essaie dans notre projet d'être au plus près du vécu, du senti. Après tout, on parle de sujets sensibles. Et puis, je ne ferai pas une liste devant vous des sujets sensibles. Ce serait stérile comme exercice. De toute façon, cette liste, elle change continuellement. Il y a 3 ans, le conflit israélo-palestinien, ce n'était peut-être pas un sujet aussi sensible qu'aujourd'hui. Donc, cette liste, elle change continuellement. Et puis, le premier de ces sujets sensibles, c'est probablement le sujet des sujets sensibles lui-même. Alors, on a essayé de faire entendre toute cette sensibilité dans sa multiplicité. Au fond, la première chose qu'on comprend assez rapidement quand on s'intéresse aux sujets sensibles, c'est qu'en matière de sujets sensibles dans un contexte scolaire, il faut consentir à l'ambiguïté, il faut consentir à la multiplicité, à l'incertitude, reconnaître nos limites. Puis ça pourrait être tout pour aujourd'hui, je vous ai à peu près tout dit en fait. Ce que j'aurais à dire, là, c'est pas mal ça qu'on va constater ensemble. Donc on a fait attention de faire entendre toutes les voix dans leur multiplicité, dans leurs incertitudes et dans leur ambiguïté. Puis on a cherché à avoir des voix divergentes au moment du recrutement, dans l'analyse aussi. On veut faire entendre les nuances, les contradictions, les voix minoritaires, etc. Maintenant, notre collecte de données, évidemment, vous m'excuserez, je ne vois pas le chat en ce moment en partageant mon écran de cette façon. Donc, si jamais vous avez des petites questions de clarification, je ne les verrai pas. Peut-être que, Habib, tu peux t'en faire le porte-parole. Tu peux m'interrompre si nécessaire. Mais, oui, je vais te le dire. Parfait. Donc, les données qu'on a colligées au fil du temps, elles proviennent de 22 enseignants et de 27 élèves. Alors, tout de suite, j'ai envie de dire que bien sûr que c'est un échantillon limité. On a demandé 3 millions au gouvernement pour pouvoir faire ce projet de recherche sur plusieurs années, puis ça nous a été refusé malheureusement. Alors, c'est un échantillon limité, mais en même temps, il y a des études qui paraissent dans des revues savantes à partir d'un échantillon de cette ampleur-là à peu près. Et puis, il faut mettre des limites à un terrain de jeu. Alors, on avait des limites. On a commencé en littérature, on s'est rendu compte qu'il fallait déborder. Et puis, on a essayé d'adopter toutes sortes de stratégies pour entendre ces voix-là, donc des entrevues, des groupes de discussion, une communauté de pratique aussi entre les profs. Au fond, il faut qu'on en parle de façon décomplexée et libérée, tout simplement. C'est probablement la meilleure des stratégies. Évidemment, les profs et les élèves que vous allez croiser dans nos témoignages sont des noms fictifs. Si vous reconnaissez un Simon, ce n'est pas un Simon qui enseigne à Maisonneuve. Là, on a changé les noms. Peut-être que ce n'est pas nécessaire de le dire, mais je le précise quand même. Aujourd'hui, donc, je suis ici devant vous pour vous présenter nos résultats en respectant la structure du guide qui vous a été envoyé. Donc, première partie où on va s'intéresser aux définitions, aux perceptions pour mieux comprendre ce que sont les sujets sensibles. Deuxième partie où on va s'intéresser aux outils, aux stratégies. Alors, encore une fois, là, on a une approche pédagogique. Je vais beaucoup parler de la salle de classe, forcément, mais on va pouvoir transposer ça, élargir ça, je pense, à toute relation d'aide, puis à tout ce qui se passe dans un contexte scolaire. Puis, en dernière partie, je viens juste de le dire, je ne suis pas devant vous avec une vérité unique, je ne suis pas détentrice d'un savoir absolu, malheureusement. Donc, j'espère qu'on va en jaser un brin. Il y a quand même une petite portion que j'espère qu'on pourra consacrer à vos questions. J'ai conscience que je suis la deuxième heure de votre présentation.
présentation sur Zoom. Ça fait une longue période devant un écran d'ordinateur et je suis consciente aussi que votre attention est peut-être limitée en ce moment. Je vais vous envoyer la présentation PowerPoint, là, ça vous sera transmis éventuellement. Ce que vous y lirez, ce sont surtout des témoignages, mais aussi quelques constats théoriques. Donc, peut-être que ce n'est pas nécessaire de prendre en note tout ce que vous verrez à vous juger, là, mais j'espère que ce ne sera pas trop longuet pour vous et qu'on aura le temps de se rendre aux questions. Bref, parce que c'est probablement la partie la plus intéressante, la partie conversation sur ces sujets sensibles. Donc, notre première question, c'était évidemment, qu'est-ce qu'un sujet sensible? Comment définir un sujet sensible? Je l'ai dit d'entrée de jeu, on n'est pas ici pour présenter une liste de sujets sensibles. C'est absolument vain comme exercice. Au fil de ces 2 ans, plus ça avançait, plus notre définition changeait. Elle s'est peaufinée, elle s'est précisée. Là, j'arrive avec une présentation qui, quelques mois plus tard, continue d'évoluer au fond. Justement, avec le contexte actuel, il y a des choses qui deviennent plus vives que d'autres auparavant. Bref, il faut accepter l'ambiguïté, le changement, les incertitudes, mais quand même, à partir des témoignages qu'on a entendus et reçus, on peut dresser un portrait de ce qui est vu, perçu ou compris comme un sujet sensible à Maisonneuve. C'est sûr que c'est une recherche en sciences humaines, donc on travaille à partir de perceptions. Ça a le défaut de ses qualités, là. Nous sommes une équipe composée de gens dotés de jugement et de discernement et de perception. Donc, c'est comme un inception de perception, là. C'est des perceptions qui travaillent sur des perceptions. Mais quand même, ça donne une bonne idée de la définition qu'on peut commencer à proposer, en tout cas dans notre réalité à Maisonneuve, d'un sujet sensible. La première dimension de cette définition, c'est le contenu, donc le quoi. Qu'est-ce qui fait la sensibilité d'un sujet? Forcément, quand on pense sujet sensible, on pense thème. On pense à un thème sensible. Il y a ça, bien sûr. La première définition de sensible, c'est, cela dit, ce qui est perceptible, ce qui est perceptible par les sens, par les pores de peau, j'oserais dire. C'est ce qui est dans l'air du temps, c'est ce qui est discuté actuellement. Donc, c'est ce qui est visible, perceptible, c'est des thèmes, oui, mais aussi et surtout pour nous, ce qui apparaît assez évident très vite dans notre travail. Au tout début même, dans notre parcours de la littérature, on commençait à voir ce glissement-là, puis ça s'est confirmé dans nos données. C'est qu'en fait, le sujet sensible, c'est d'abord un individu sensible. Et puis, la sensibilité, elle est répartie équitablement aux 2 pôles de la relation pédagogique, contrairement peut-être à ce qui circule parfois. Il n'y a pas un des pôles, le côté de l'élève, par exemple, qui est plus sensible que l'autre. Les profs sont aussi sensibles que les élèves. Et cette sensibilité, donc, elle est liée et nourrie par un contenu sensibilisant. On peut voir 2 citations déjà qui en témoignent. Pourquoi ces sujets sont sensibles? Parce que c'est lié à une souffrance, nous dit Claude, un enseignant. Je l'associe beaucoup à un vocabulaire heurtant qui va déclencher chez des individus une vulnérabilité, nous dit Aude, une enseignante. Donc, ça a à voir avec une souffrance, ça a à voir avec un choc. Et ces 2 citations insistent sur le caractère individuellement vécu de la sensibilité en question. C'est un contenu qui frappe un individu, un sujet, qui est sensibilisé, est fragilisé par ce qu'il entend, par la perception de ce qu'il entend en tout cas. Mais cette sensibilité, elle est culturellement induite et nourrie aussi. C'est lié à l'identité. Et donc, si on parle des sujets sensibles, c'est que parfois, tu vas toucher ma dignité, dit JN, une étudiante, ou alors un sujet qui risque de blesser des gens qui ont vécu des traumas, qui ont vécu de la discrimination au cours de la vie, quelque chose qui va rattacher les gens à leurs émotions, surtout les gens qui sont plus touchés par le sujet, nous dit Stéphanie. Donc, nous ici, on n'est surtout pas devant vous avec une volonté de surresponsabiliser les individus. La sensibilité, elle est individuellement vécue d'abord, mais ce qui choque, ce qui rend vulnérable, ce qui heurte au fond, c'est rarement la sensibilité telle qu'elle est vécue dans l'intimité. Ce qui m'habite intimement, à moins de cas extrêmes bien sûr, c'est pas ça qui est douloureux. C'est l'écart entre ce qui m'habite intimement et l'image stigmatisante qui m'est parfois projetée par des structures sociales qui sont porteuses d'une charge de violence symbolique certaine, à commencer par l'école. Donc, très vite, il nous est apparu que le sujet sensible, c'est un individu sensible, sensible à un thème, oui, mais c'est un individu qui est rendu sensible à ce thème en raison d'une culture qui met en évidence un écart, une sorte de dissonance
entre ce qui habite l'individu intimement et la norme ou les images qui sont projetées par des structures parfois violentes, effectivement. Donc, le thème sensible, c'est ça, d'abord un sujet sensible, mais il n'y a pas de thème sensible sans individus sensibles pour les percevoir comme tels. Puis ces individus-là, ben, ils deviennent sensibles en raison d'une culture, de structure vulnérabilisante. Tout ça est imbriqué. Tout ça est tellement imbriqué qu'on ne peut pas parler du quoi sans parler du quand. Qu'est-ce qui fait qu'un sujet est sensible quand on essaie de définir le sujet sensible? C'est aussi le contexte. Je l'ai dit d'entrée de jeu, la première définition, la première acception là, de la sensibilité dans un dictionnaire, c'est ce qui est perceptible, donc c'est ce qui est visible, c'est ce qui est là dans le contexte actuel. On voit ça beaucoup dans nos témoignages, bien sûr, puis il y a toutes sortes de points de vue possibles par rapport à ce contexte. Ici, une perspective un peu négative. Il y a 20 ans, les élèves n'avaient pas appris à dire « Madame, ça me dérange quand vous dites telle chose ». C'est un fait. Ce point de vue-là fait écho à ce qu'on entend pas mal, hein? On ne peut plus rien dire. Évidemment, les personnes qui disent ça le disent énormément, assez souvent. Elles ont beaucoup de plateformes pour dire qu'elles ne peuvent rien dire. Au fond, c'est pas vrai. On n'a jamais autant parlé. C'est juste que maintenant, quand on dit, on se fait répondre. On se fait répondre parfois de façon qui nous surprend. Mais au fond, si on réfléchit, ça fait des décennies qu'en tant que parents, par exemple, vous avez peut-être des enfants, on a tendance à encourager les enfants à exprimer leurs émotions. Hein, en tant que parents, on dit à nos jeunes, on dit « mais ton ami qui se moque de toi à l'école, va le voir, puis dis-lui pourquoi ça te fait de la peine, puis demande-lui d'arrêter. » Mais ces enfants-là qu'on élève de cette façon-là, ils arrivent un jour au cégep et ils s'expriment de la même façon. Il ne faudrait peut-être pas s'en étonner. Alors oui, maintenant, dans la relation pédagogique, il n'y a pas qu'un émetteur et un récepteur, un prof qui enverrait un message à un élève récepteur. Vous m'excuserez d'utiliser les épicènes pour être plus efficace à l'oral ou les abréviations, là. C'est une relation qui est maintenant dynamisée et c'est plutôt heureux. D'ailleurs, c'est une perspective positive que partage Anne, cette enseignante. C'est juste qu'avant, les gens réagissaient moins. Parce qu'on était prisonniers d'une conception de l'éducation qui était très hiérarchique. Et nos élèves étaient comme murés dans un silence. Mais maintenant, ils peuvent répondre et c'est tant mieux. Effectivement, dans le fond, la relation pédagogique qui était assez stérile ou solide, en tout cas unidirectionnelle, elle s'est transformée en conversation pédagogique. Maintenant, les deux pôles de la conversation ont été dotés d'un pouvoir d'agentivité. Et puis, on devrait peut-être s'en réjouir. Hein? Une conversation où tout le monde jase, c'est un peu moins plate qu'un monologue. On peut voir ça comme ça. Ça, c'est donc une perspective positive, mais c'est vrai que le contexte social ou les demandes de justice sociale, d'horizontalité dans le rapport pédagogique nourrissent une forme d'appréhension chez certains profs. Et on doit bien le reconnaître et faire entendre ces voix-là aussi. Simon, par exemple, dit « Deux étudiantes m'ont reproché d'avoir mis un épisode de La Servante écarlate, la série. Elles ont dit « Il y a beaucoup de violence. » J'en suis conscient, je les avais prévenues sur la violence, je le savais. Mais elles ont dit « C'est pas assez féministe, ça dénonce pas assez le patriarcat. » Je veux dire, si La Servante écarlate, c'est pas assez féministe, je me demande bien ce qu'il l'est. On est d'accord. Il y a parfois un manque de nuance dans les reproches qui nous sont envoyés. Mais j'ai une confidence à faire. Moi, j'ai 41 ans et il m'arrive de manquer de nuances. La jeunesse n'a pas l'apanage du manque de nuances. Alors, je comprends Simon et toutes ces autres personnes qui, dans le contexte actuel, se sentent un peu dépassées. On essaie de faire du mieux qu'on peut. On les avertit, puis c'est quand même pas assez. Ça va bien faire. C'est un peu ça. Il y avait un peu d'exaspération dans ce commentaire-là. Puis, on comprend tout à fait ça. C'est vrai que c'est un contexte où ça grouille beaucoup puis les choses changent rapidement. Et ça peut nourrir une forme de fatigue, l'impression d'une impuissance ou l'impression d'être inapte, incapable d'avancer assez vite pour les élèves. Au fond, c'est assez réjouissant, encore une fois, ça, si on le prend d'un autre côté, ça veut dire que maintenant, tout le monde est vraiment obligé, dans un contexte scolaire, d'être en posture d'apprentissage perpétuel. Puis j'ose croire qu'on devient prof, pas juste parce qu'on aime notre matière, mais parce qu'on aime apprendre aussi, continuer d'apprendre. Alors, c'est juste qu'il faut, le contexte actuel, disons, précipite cette formation continue et la rend pas mal obligatoire, étant donné qu'on se fait répondre plus qu'avant, en raison de ce contexte social qui, oui, contribue à la définition ou à la charge de sensibilité d'un sujet donné.
On a parlé du quoi, donc c'est un thème, un individu et une culture qui sont sensibles. On a parlé du quand, donc ce contexte où la relation pédagogique, elle est maintenant dynamisée, il y a une conversation, puis on va se faire répondre. Le qui maintenant? Alors, la sensibilité, elle est aussi liée aux expériences vécues ou perçues par les intervenants dans un cadre scolaire. On a vu toutes sortes d'incarnations là, de ça dans nos témoignages. En voici un premier témoignage. Et bizarrement, tout ce qui est du racisme, mais expliqué par un prof blanc, c'est plus sensible que, mettons, du racisme, mais expliqué par un enseignant qui fait partie des personnes racisées. Alors ça, c'est intéressant. Il n'y a personne, je veux être bien claire, dans nos données, chez les élèves, comme chez les profs, il n'y a personne qui fait un appel à la censure. Personne ne demande qu'un professeur n'enseigne que ce qu'il est. Tout ce que cette étudiante dit, c'est que c'est plus sensible. Ça ne veut pas dire « donc ce prof devrait se taire ». Ça veut juste dire que, ben, c'est ça qui est ça, c'est plus sensible. On peut se mettre dans la tête d'une élève ou d'un élève qui appartient à une minorité culturelle, qui est né à Montréal, qui a étudié à Montréal toute sa vie. Depuis la maternelle, il se fait parler d'enjeux raciaux puis de racisme par des profs blancs. Parce que, forcé de le constater, le racisme systémique, quoi qu'en pensent certaines autorités, c'est quelque chose qui existe. Moi, je veux dire, ça fait plusieurs fois que je fais cette présentation dans différents contextes. Il n'y a pas beaucoup de diversité dans le corps professoral ou chez les cadres dans les cégeps au Québec. C'est un problème complexe, je n'ai pas de solution, évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un enjeu de représentativité. Puis que pour des élèves qui arrivent au cégep après nombre d'années, bien, à un moment donné, il y a la répétition aussi qui use. Quand ça fait 25 fois que c'est un prof blanc qui nous parle de l'esclavage, ça se peut qu'on commence à en avoir assez. Et donc, c'est plus sensible. Mais ce n'est pas un appel à la censure pour autant. C'est un appel à compenser. C'est un appel à plus de précautions. C'est un appel à des outils ou des stratégies pour complémenter cette posture-là. Ce n'est pas un enjeu identitaire. C'est un enjeu de positionnalité. C'est prendre conscience de notre position parfois comme intervenant qui appartient peut-être à une majorité, prendre conscience et la reconnaître. Maintenant, bien sûr, on est dans un contexte où on est tous sensibles à cette notion essentielle qu'est l'intersectionnalité. Et on doit résister aux associations un peu faciles. C'est pas parce qu'on est blanc qu'on est privilégié sur le plan matériel, par exemple. C'est pas si simple que ça. Mais il faut garder en tête que peut-être que les jeunes font ce genre d'association, peut-être, parce qu'en tout cas, il y a des adultes qui les font. on doit résister à la simplicité, mais on doit quand même être sensible, oui, à la nécessité peut-être de compenser pour ces injustices systémiques qu'on ne peut nier et qui sont une réalité. On n'est pas individuellement responsable de ça, mais en tant que personne qui appartiennent probablement ou peut-être à une majorité, on en est un peu comme le représentant aux yeux des élèves qui commencent à être usés à la longue de voir cet écart-là. Donc oui, c'est plus sensible. Mais d'un autre côté, il y a des profs sensibilisés à ça justement qui disent « c'est ça qui est important pour moi », qui ne sentent pas que ce sont toujours des blancs qui parlent sur eux ou des hommes qui parlent sur les femmes. Encore une fois, c'est un enjeu de positionnalité, mais on a gardé ce témoignage parce que la fin est vraiment intéressante. Je suis aussi là devant vous pour vous faire entendre peut-être le point de vue des profs par rapport à tout ça. On ne se poserait plus la question aujourd'hui, je pense. Ça fait tellement longtemps que le féminisme est dans l'air du temps, qu'il est sensible au sens de perceptible, qu'on imaginerait difficilement un diplôme d'études féministes dans une université où les profs seraient des hommes, a fortiori des hommes cis, hétérosexuels, disons. En tout cas, ce serait accueilli avec un haussement de sourcils, à tout le moins. Et il faudrait que ces hommes compensent largement en mettant au programme des textes écrits par des femmes uniquement, en invitant que des femmes comme conférenciers, comme conférencières, comme expertes, etc. On dirait que par rapport au féminisme, maintenant, on tient ça pour acquis. Mais pourtant, par rapport aux enjeux raciaux, on le tient moins pour acquis. Et ça nous heurte en tant que, ça heurte certaines personnes en tant que personnes blanches, de devoir, d'entendre ce genre de commentaires-là comme si c'était un appel à la censure, alors que ce n'est pas ça du tout. On nous invite à en parler de tout ça, mais à en parler avec plus de précautions, en étant peut-être plus humble et en reconnaissant nos limites. Il y a des étudiants qui vont dans le même sens. Personnellement, je ne pense pas qu'on devrait limiter ce qu'un prof enseigne à ce qu'il a vécu, parce que je trouve que ça enlève tout le purpose de l'éducation. Je pense que la chose la plus importante dans ce contexte-là,
c'est le respect. La plupart des témoignages allaient dans ce sens-là. Le plus important, ce n'est pas l'identité de la personne qui parle, c'est comment elle parle. À partir du moment où les élèves se sentent respectés, on peut parler d'à peu près tout. Mais alors, concrètement, comment faire pour respecter nos élèves? Déjà, reconnaître nos limites, reconnaître notre position, c'est une façon d'être respectueux de leur position. Essayer de compenser pour les limites de notre position, c'est une autre façon d'être respectueux. Faire entendre des voix minoritaires que nos institutions d'enseignement ont trop peu fait entendre aussi, c'est une façon d'être respectueux et inclusif. Et accorder de la validité à la parole des élèves eux-mêmes. Les profs, vous les connaissez, c'est des bébites un peu spéciales et susceptibles qui ont l'impression que quand on joue sur leur terrain de jeu, on est en train de leur enlever de la compétence ou de questionner leur compétence, leur liberté. Mais au fond, respecter la parole des élèves, ça ne veut pas dire que le savoir partagé par le prof perd de sa valeur. Le savoir empirique continue d'être enseigné, un savoir qui s'appuie sur des données validées, vérifiées, mais on fait un peu d'espace pour l'autre pôle de la conversation pédagogique. Et dans ce contexte-là, quand c'est fait comme ça, on peut parler de tout. Les sujets sensibles, en fait, ils ajoutent de la valeur au savoir, à condition qu'on les aborde d'une façon respectueuse, ouverte et humble, au fond. Encore une fois, ce n'est pas un enjeu d'identité. Il n'y a eu aucun appel à la censure dans nos données. Tout ce qu'on constate, c'est que c'est étrange, parfois, l'écart, que ça devrait être reconnu, puis qu'on devrait essayer de compenser pour cet écart. Mais tout ça se fait par la manière d'en parler, encore une fois. Comme le dit Félix ici, et comme le disent combien d'autres des témoignages que nous avons reçus, c'est vraiment la manière d'en parler qui va ajouter ou enlever une charge de sensibilité à un sujet au sens de thème donné. Une des façons dont aborder un sujet sensible peut être pas idéal, à tout le moins, c'est un euphémisme, c'est en parlant avec une fausse neutralité. Je le disais, d'entrée de jeu, on a adopté une approche nous qualitative parce que les statistiques, ça se donne des apparences d'objectivité, mais en fait, c'est marqué, vous le savez, par toutes sortes de biais. Et puis, c'est vrai aussi du savoir empirique dans lequel plusieurs professeurs et dans lequel la tradition de la pédagogie en Occident s'est un peu enfermée, on va dire. Et donc, un témoignage, par exemple, va dans ce sens-là. En classe, mettons qu'on voit le monde occidental, comme quand tu viens du monde oriental, c'est sûr que parfois, c'est difficile d'aborder certains sujets. Le problème, c'est que le côté opprimé ne se sent pas écouté. Il se sent toujours dénigré. Par exemple, moi, quand on parle de l'islam à l'école, on parle des Arabes, j'attends juste le moment où ils vont dire « Ah, les Arabes, vous, vous êtes retardés ». Ça fend un peu le cœur de lire ça, d'entendre ça dans nos témoignages, mais c'est une réalité. Parfois, quand la personne qui partage son savoir adopte une posture d'autorité, comme si elle détenait justement une vérité, puis qu'elle parle des choses avec une certaine neutralité, bien, ça reproduit certains préjugés, ça reconduit certains préjugés, ça sous-entend une certaine posture d'autorité qui peut être sensibilisante, vulnérabilisante pour les élèves à l'autre pôle de la conversation pédagogique qui sont comme toujours dans l'anticipation du pire. Puis on le sait bien, la peur, c'est pas fécond. Ce n'est pas propice à l'apprentissage. Maintenir les élèves dans la crainte ou dans l'anticipation du préjugé à venir, c'est sûr que ça contrevient à la relation pédagogique et surtout à la transmission du savoir. Autre citation qui était déjà dans notre présentation, je vous le jure, je ne l'ai pas ajoutée tout récemment en raison du contexte actuel. On avait lu un texte sur l'apartheid en Palestine. Mais le prof, comment il en avait parlé? Il voyait ça vraiment comme un conflit israélo-palestinien. Puis pour Mounia, qui on le comprend donc, appartient donc au monde arabo-musulman, pour elle, le mot conflit, c'est un mot neutralisant qui est violent. Parce que pour elle, ce n'est pas deux forces égales. Ce n'est pas un conflit. C'est un génocide, c'est un apartheid, nous expliquait-elle dans son témoignage. Bon, je vais mettre en pratique ce dont je parlais à l'instant dans la nécessité de reconnaître nos limites. Je ne suis pas politologue, je suis professeure de littérature. Je m'emporte pour des livres dans la vie et c'est pour ça qu'on me paye. Donc, je ne ferai pas semblant de tout comprendre de ce conflit-là. Je reconnais que je ne suis certainement pas la personne la plus outillée pour en parler. Mais au fond, ce qu'on peut retenir de ce commentaire-là, c'est que le vocabulaire est chargé puis que quand on utilise un vocabulaire qui aspire à une scientificité peut-être un peu artificielle, ça peut devenir plus sensibilisant, plus heurtant pour certaines personnes. Et probablement que la meilleure posture dans ce cas-là, c'est vraiment l'écoute.
On est sûr de ne pas adopter un tel vocabulaire quand on se place en posture d'écoute, mais vous savez ça pas mal plus que la prof que je suis et que les profs auxquels je parle d'habitude. Donc, la manière d'en parler quand elle adopte une fausse neutralité, ça peut devenir plus vulnérabilisant. Sinon, autre problème ou écueil possible, la posture savante ou surplombante. Quand on se pense supérieur ou détenteur d'une vérité, effectivement, ça peut ajouter à la charge violente de nos propos. Par exemple, ça peut heurter de voir un sujet qui te touche directement être interprété de manière complètement objective, sans la sensibilité. Mettons pour une personne qui vit du racisme, de se faire enseigner à propos du racisme par un prof blanc qui pitche des statistiques, le prof, il peut être autant ouvert d'esprit, autant antiraciste qu'il peut, reste que cette personne-là n'aura pas l'expérience de quelqu'un qui vit du racisme. Est-ce que ça veut dire que ce prof doit arrêter d'en parler? Non. Ça veut dire que, outre les statistiques, il faudrait compléter la présentation avec peut-être des paroles des personnes concernées, avec justement des œuvres au programme ou des références bibliographiques plus diversifiées, en faisant entendre les personnes concernées pour enlever de cette froideur, de cette posture surplombante qui est un peu déshumanisante. Les profs se drapent un peu là-dedans, on peut dire, parce qu'on a donc l'impression que le savoir qui doit être enseigné, ça doit être rationnel, puis ça doit être cartésien, puis ça doit être neutre. Mais au fond, ce que notre étude démontre, et on va en reparler, c'est qu'ajouter de l'émotion à la connaissance, ça ne la rend que plus durable et que plus pertinente dans l'esprit des élèves. Et donc, si nous, on n'est pas concernés par ce dont on parle, au moins de faire intervenir les voix des personnes concernées, c'est une façon de dépasser le stade de la posture savante ou surplombante. Autre témoignage, l'expertise qui nous est imposée parfois. Ce témoignage vient d'une enseignante. Des fois, tu vois passer des membres du personnel qui arrivent avec un peu cette posture-là de « je sais, je suis là, je vais vous aider ». Puis moi, ça me dérange, ça m'a toujours dérangée, dit Malie. Alors, on tient donc à notre liberté académique, souvent les profs, et ça fait qu'on est récalcitrant à se faire aider par quelqu'un qui ne connaît pas ça, la salle de classe. De la même façon, vous, si un prof venait vous voir, ben, en tout cas, je ne sais pas, je me mets dans la peau d'une TS ou d'un TS, puis un prof vient me voir, puis vient m'expliquer comment je devrais intervenir avec un élève, je ne le prendrais pas. Les élèves qui reçoivent un enseignement lié au sujet sensible avec cette posture savante ou surplombante, ils le reçoivent un peu comme ça. Puis les profs aussi, ça nous dérange quand quelqu'un arrive devant nous avec cette posture-là de « je vais t'expliquer comment ça marche, cette affaire-là », alors qu'en fait, c'est notre spécialité, l'enseignement, ou c'est vous, c'est votre spécialité, la relation d'aide. La posture de détenteur de vérité, ça passe mal auprès de tous les publics, au fond. Et ça contribue, disons, à augmenter la charge violente ou vulnérabilisante d'un sujet donné. Fait que là, on a parlé du quoi, du qui, du quand et du comment. La manière, c'est le comment. Tout ça, il ne faudrait pas que ça nous donne l'impression que les sujets sensibles, selon notre projet en tout cas, doivent être évités. Absolument pas. Il y a un consensus dans la littérature et dans nos données. Les sujets sensibles sont absolument nécessaires même pour accéder à la connaissance. C'est important pour ajouter de la pertinence à l'apprentissage, pour faire entrer l'école ou le cégep, mais je vais utiliser école au sens large, en dialogue avec la vraie vie. Vous, comme intervenant, vous êtes peut-être les premiers, les plus à même de nourrir ce dialogue-là. En raison du contexte actuel, des médias sociaux notamment, l'école, elle n'est plus en dehors de la vie, là. Le monde, les élèves sont de plus en plus au courant de ce qui se trame dans le monde. Et puis, les murs du cégep, ils sont poreux. La réalité extérieure, elle pénètre à l'intérieur des murs. Et donc, c'est apprécié par les élèves quand on en parle de cette réalité extérieure. Ça nourrit l'esprit critique, ça favorise le dialogue, ça ancre le savoir dans quelque chose de concret, de réel à leurs yeux et de tangible. Alors que longtemps, on pensait que l'émotion nuisait à l'apprentissage, les sujets sensibles sont une belle preuve qu'en fait, il n'y a presque pas de savoir sans une part d'émotion. Même en sciences pures, je veux dire, quand Einstein est arrivé avec sa théorie de la relativité, il a commencé par un moment d'émerveillement devant une équation. L'émerveillement, la passion, l'emportement, c'est de l'émotion. L'émotion, c'est à tout le moins un tremplin vers le savoir. C'est sûr qu'on est ici, encore une fois, avec une approche qualitative, donc on veut faire entendre toutes les voix. Dans nos témoignages, il y a les tenants d'une posture plus rationaliste ou classique qui voient les sensibilités comme une entrave au savoir. Ça existe, cette posture-là. Par exemple, chez Richard, l'acte de connaissance, c'est quelque chose qui peut, entre guillemets, il peut y avoir une étape où on déchire une partie de cette sensibilité-là.
pas pour la jeter, mais juste pour dire que pour aller un pas de plus dans une forme de connaissance, il faut aller au-delà de nos propres freins. Donc, ça existe cette posture-là. On pense qu'une salle de classe, ça devrait fonctionner sur le mode de la confrontation, que c'est par le choc qu'on apprend, que c'est par le conflit presque qu'on évolue. Il y a quelque chose qui perdure de cette idée-là dans l'air du temps. Puis il y a quelque chose de vrai aussi, que c'est par la confrontation à la différence qu'on apprend. Toute relation dans la vie, c'est un inconfort. Dès que deux atomes entrent en contact, il y a un inconfort ou un déséquilibre. Puis le tout, c'est d'apprendre à gérer l'inconfort, le déséquilibre. C'est vrai que c'est comme ça qu'on évolue puis qu'on avance. Mais ce qui est intéressant dans ce témoignage-là, c'est que c'est un peu paradoxal parce que Richard, pour être conscient de ça, il a dû être sensible à ses propres freins. Donc, il a fallu qu'il fasse preuve de sensibilité pour être alerte puis conscient que là, c'était son frein, donc il devait dépasser ce frein-là. Donc, il est en train de nous dire, malgré lui, que la sensibilité, elle est utile pour dépasser notre niveau habituel, disons, de compréhension du monde. Mais bon, c'est pas ce qu'il voulait dire, là, c'est sûr que j'interprète. À travers les sensibilités, cela dit, la plupart des personnes qui ont participé à notre projet considèrent qu'on a accès à un savoir augmenté, un savoir multiplié, encore plus utile, pertinent. C'est super d'aborder les émotions, nous dit par exemple Anne. L'émotion, c'est un vecteur de connaissance. Je trouve qu'on l'a beaucoup délégitimé dans nos institutions. C'est tout à fait exact, dans les institutions d'enseignement supérieur en particulier. Depuis quand même plusieurs, je crois au moins décennies maintenant, dans l'institution primaire, je pense qu'on fait beaucoup part à l'émotion, on fait plus de place à l'émotion, mais dans l'enseignement supérieur, on résiste encore à faire place à l'émotion. Alors qu'au fond, ça fait que l'apprentissage est beaucoup plus durable. Moi, maintenant, j'enseigne la littérature, mais j'ai étudié en philo, puis quand j'ai catché Kant et les catégories kantiennes, j'ai eu du fun. Mais je m'en rappelle absolument pas autant que quand j'ai compris la parole ou la métaphysique de Lévinas, par exemple, qui me parlait justement de ce que c'était que d'être en relation avec autrui. Et là, j'ai eu un frisson. Je me rappelle le moment exact dans la salle de classe, dans l'auditorium, où j'ai compris la métaphysique, l'ontologie lévinassienne. Bref, quand ça passe par le corps, par le cœur et par la tête, c'est beaucoup plus durable en nous que si ça passe seulement par la tête. Et les sujets sensibles, ben, c'est justement une occasion de profiter de cet ancrage-là multiple dans la réalité. Les étudiants sont d'accord dans nos témoignages. L'information s'enregistre et ça m'apprend à faire attention dans la vie en général, à ne pas faire de discrimination, à essayer d'être juste avec tout le monde. Le ministère est content quand il lit ça, puis nous aussi, au fond, c'est du transfert de compétences, hein? Quand on parle des sujets sensibles à l'école, bien, ça déborde des murs de l'école, puis ça se transfère dans la vraie vie. Ça lui a appris à faire attention dans la vie en général. L'empathie, ça se nourrit à l'école aussi, la curiosité, l'émerveillement. Puis tout ça, ça ne contrevient pas à l'apprentissage ou à la transmission d'un savoir empirique, validé, objectif, si tant est que l'objectivité existe. C'est juste qu'on peut complémenter le savoir empirique avec un savoir expérientiel. Réfléchir aux sujets sensibles, pour moi, ça a été absolument libérateur et motivant comme prof. Ça a voulu dire décloisonner mon métier. Je ne fais plus qu'enseigner la figure de style. J'enseigne l'empathie, la curiosité. Je l'ai toujours fait, là, bien sûr, depuis que j'enseigne. Ça fait maintenant un petit moment. Mais les sujets sensibles, quand on les aborde de façon plus explicite, ça rend ça encore plus évident. On peut laisser place à la curiosité, à l'empathie, à l'ouverture d'esprit, tout en enseignant un savoir qui repose sur une subjectivité renseignée, une subjectivité informée, mais sensible à tous les pôles, en fait, de la conversation pédagogique. Ça, c'est donc la définition que notre projet a permis de tirer, disons, des sujets sensibles tels qu'ils sont perçus à Maisonneuve. Maintenant, comment agir par rapport à ça? Ce qui est apparu assez tôt, c'est que ça nous forçait, disons, à renouveler notre compréhension des rôles dans la relation pédagogique, dans un milieu scolaire. Je l'ai dit depuis le début, on ne voit plus ça comme une relation unidirectionnelle, un monologue avec une personne qui détiendrait un savoir absolu, puis une autre personne qui serait au bout de cet échange-là et qui recevrait ce savoir absolu. Maintenant, on est dans une conversation plus dynamique et ça bonifie en fait l'espace scolaire, l'institution. Ça la rend encore plus vivante et plus pertinente. Comment on fait ça concrètement? C'est à ça qu'on va s'intéresser dans cette deuxième partie. D'abord, en horizontalisant l'espace.
Vous, comme intervenant, vous en avez beaucoup plus l'habitude que nous, comme profs. Nous, les profs, on doit désapprendre la hiérarchie verticale, ça c'est clair. Mais le sujet sensible et sa discussion dans l'espace public nous favorise, plutôt nous incite à horizontaliser notre relation, justement, et à multiplier le savoir que l'on partage. Ça veut dire quoi concrètement? J'aimerais ça que les profs abordent des choses qu'ils connaissent moins, qui se placent aussi en position d'apprentissage, nous dit cette étudiante. Ça veut dire quoi concrètement, un espace horizontalisé? Ça veut dire que le professeur fait preuve d'humilité, qu'il reconnaît qu'il n'est pas expert dans ceci ou dans cela, qu'il aborde des choses qu'il ne maîtrise pas parfaitement, mais qu'il le fasse avec toute sa curiosité et tout son émerveillement, justement. Tu as le droit d'avoir un point de vue mitigé. C'est correct aussi de changer d'avis. Tu peux dire « oui, je le concède, tu as raison ». Ça peut aider à ce qu'on embarque avec respect dans les sujets. Donc, l'humilité, le décentrement aussi, que le prof ne se place plus comme le nerf de la guerre au milieu de l'espace ou de la relation pédagogique, mais qu'il soit conscient que, en fait, maintenant, les énergies sont plus équitablement réparties dans cette relation-là. Pour moi, c'est aussi de laisser la voix aux personnes issues de la minorité affectée ou qui ont vécu les expériences dont on discute. Alors ça, c'est beaucoup ressorti dans nos témoignages. Comment horizontaliser la conversation pédagogique, puis comment décentrer la parole du prof, comment la rendre plus modeste et plus humble, bien, en faisant entendre les autres voix que celles du prof, en particulier si ce prof n'appartient pas aux communautés dont il parle, par exemple, dans un cours donné. Faire entendre des experts. Le prof, c'est l'expert par la recherche. Bien, faire entendre des experts par le vécu aussi, qui est une forme de savoir. Le savoir expérientiel, on le sait maintenant, ça a une valeur et ça complète le savoir empirique, encore une fois. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de questions et sur aussi ma voix, à quel point elle est importante dans la société. Ça, j'en avais pas conscience avant. Écoutez, ça fait quand même plusieurs fois que je fais cette présentation, puis quand je lis cette citation, je continue d'avoir un brin, les larmes aux yeux, et ça continue de m'émouvoir, parce qu'au fond, c'est pour ça qu'on travaille dans un cégep, vous et moi, là. C'est parce qu'on veut que les jeunes soient dotés d'une confiance, d'une solidité, pourrait-on dire, telle qu'ils se sentent aptes à agir dans le monde, à être la meilleure version d'eux-mêmes dans le monde, à l'extérieur de l'école. Dans le fond, dans le témoignage de cet élève, ce qu'on comprenait, c'est qu'en faisant entendre justement des personnes qui appartiennent à des minorités qu'on entend moins souvent, en mettant en scène sa propre vulnérabilité, la prof de cet élève avait contribué à lui donner l'impression que son expérience à elle mériterait d'être entendue, comme toutes les autres au fond. C'est pas merveilleux travailler dans un contexte scolaire quand on a ce pouvoir-là. L'apparition du sujet sensible dans le contexte scolaire, ça a été vécu et ça l'est encore vécu par certaines personnes comme un frein, un empêchement. C'est du sable dans l'engrenage. Moi, je pense que c'est plutôt du WD-40 dans l'engrenage, là. Ça va nous aider à jouer un rôle encore plus actif auprès des jeunes qui sont devant nous. Et à avoir des impacts réels dans la vie, si on peut arriver à faire ça auprès de nos élèves. Maintenant, il y a un concept dans la littérature qui est extrêmement aidant pour comprendre comment concrètement horizontaliser cet espace et cette conversation pédagogique, et c'est ce concept du point de vue situé. Peut-être que vous en avez entendu parler si vous avez étudié en études féministes ou probablement en travail social aussi, je ne sais pas trop. Ça nous vient de l'anglais, c'est la standpoint theory. Ça nous vient des études féministes, justement. Au fond, ça dit ce que ça dit. Un point de vue situé, c'est une perspective qui est ancrée dans un moment, dans un temps donné et qui est reconnue comme telle. Dans le fond, ça consiste à reconnaître d'où l'on parle pour être mieux entendu, mais aussi pour mieux réfléchir, pour être conscient de nos angles morts. On a trouvé une définition éclairante de ce concept de point de vue situé dans un guide méthodologique proposé justement par des profs d'études féministes. Alors, c'est quoi le point de vue situé? C'est se questionner sur le rôle ou la posture de la personne qui parle. Ces théories du point de vue renvoient non seulement à la position individuelle, la place que j'occupe lorsque j'observe et je réfléchis, mais aussi au positionnement social du sujet qui observe et qui produit la connaissance. Ainsi, je dois me demander en quoi mes propres conditions sociales, économiques, géographiques influencent non seulement le choix de mon sujet d'étude, mais aussi mon analyse. Bon, probablement que quand on est dans une relation d'aide, ça vient plus naturellement de reconnaître d'où l'on parle, si ça nous concerne ou pas, la chose dont il est question.
Mais les professeurs, on s'est longtemps senti à l'écart de ce genre d'impératif. Alors qu'au fond, c'est tellement salvateur et salutaire que ça devienne une pratique plus courante. Reconnaître notre limite, reconnaître nos privilèges, oui, mais aussi reconnaître nos inconnaissances, reconnaître nos incertitudes, puis appeler au dialogue pour compenser justement. Ça ne fait qu'ajouter de la valeur à l'enseignement. Donc, l'épistémologie du point de vue situé, c'est quelque chose de très concret qui peut tout simplement consister à reconnaître nos limites et ça laisse la place à plus d'échanges dans la conversation pédagogique. Ça nourrit le savoir que l'on transmet dans un contexte scolaire ou dans une salle de classe. Puis comment on peut faire ça, outre reconnaître nos limites? Ben là, c'est sûr qu'on est un peu tanné de l'entendre, le mot que je m'apprête à vous sortir. Ça commence à être un peu galvaudé, mais ben, c'est en étant bienveillant. Et la bienveillance, c'est ce qui rend possible, peut-être, de sécuriser un espace. Maintenant, est-ce que la salle de classe devrait être un espace sécuritaire? Probablement que le public que vous êtes devant moi aujourd'hui sait très bien que la réponse à cette question, c'est non. Mais pourtant, étant donné l'apparition de ce vocable dans l'espace public, étant donné que « safe space », c'est devenu un sujet sensible, eh bien, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça devient comme un impératif pour tout contexte pédagogique. Alors que non, vous le savez sans doute, vous, mais un espace sécuritaire, un « safe space », à la base, c'est défini par une homogénéité d'expérience. Habib le disait tout à l'heure, par rapport au contexte actuel, les espaces sécuritaires, surtout quand on est dans un contexte tendu ou de crise, c'est souvent des espaces plus modestes, plus petits, où il y a une homogénéité d'expérience, où on obtient du support parce qu'on a partagé des traumas ou des marginalisations, des discriminations en commun. C'est un espace de réconfort, c'est un refuge, un espace de guérison. Puis les safe spaces, ben, ils sont nourris entre autres par les intervenants que vous êtes dans les institutions scolaires, ils sont mis sur pied par vous et par les élèves, bien sûr. Donc, c'est les comités, c'est les associations, c'est le club de jeux de rôle, que sais-je, des endroits où des gens qui se ressemblent au fond s'entraident, se réconfortent. La salle de classe, il n'y a personne qui demande qu'elle soit un safe space. On demande plutôt à ce que ça soit un espace sécurisant. Un espace où, comme dans les espaces sécuritaires, la bienveillance est de mise, la disposition intérieure qui va nous aider à favoriser le dialogue, mais où la confrontation, le challenge sont possibles et même nécessaires, au fond, pour ouvrir et sensibiliser à la diversité des expériences et des perspectives. Bell Hooks parle d'espace sécurisant. C'est un très bon compromis. C'est un espace où on sait gérer des situations à risque, où le conflit est possible, et il va être vécu dans le moins grand inconfort possible. Personne ne demande que la salle de classe soit un espace sécuritaire, un safe space, mais on gagnerait tous à ce que la salle de classe soit un espace sécurisant où chacun se sent doté d'outils pour être courageux dans le conflit, pour être solide dans la confrontation. Parce que oui, la confrontation, ça permet d'apprendre en se frottant à l'adversité, bien sûr. La bienveillance, concrètement, donc, c'est cette compétence qu'on a beaucoup, beaucoup entendue, puis vous savez ce que c'est, on sait tous un peu ce que c'est, mais on trouve intéressant, quand on partage nos résultats, comme ce que je fais devant vous aujourd'hui, de faire entendre l'expérience d'une prof en particulier, une prof au Collège Champlain, qui a fait une étude postdoctorale auprès d'une clientèle à risque, Andrea Bidetic, son nom. Et donc, dans ces classes où elle avait des élèves dits à risque d'abandon très, très élevés, elle a mis sur pied toutes sortes de stratégies, elle a limité le programme, facilité les évaluations, etc., etc. Donc, toutes les stratégies auxquelles on pense spontanément. Puis, elle a voulu tâter le pouls puis évaluer c'était quoi le facteur principal de persévérance pour les élèves. Et la grande découverte de son travail, c'est dans les pédagogies collégiales, là, la revue que ça a été partagée, c'est que c'est les qualités d'une relation bienveillante qui constituent les facteurs principaux de persévérance auprès des élèves en difficulté. Elle nous dit, après quelques temps, donc au fil de l'année où elle avait ses élèves dits à risque, elle a demandé aux étudiants d'évaluer les retombées qu'avaient ces stratégies pédagogiques sur leur motivation, de lui donner leur avis à propos de son enseignement. Elle a constaté avec étonnement que la relation qu'ils avaient établie avec elle était, selon eux, le principal facteur qui leur avait permis de persévérer dans ces cours. Le principal facteur. Donc, la bienveillance, ça vient avec une certaine rigueur. Ça veut dire que ça s'inscrit dans la durée. Ça veut dire qu'on prend on fait des contacts fréquents. Vous le savez, vous, de toute façon, comme intervenant, si vous aidez un élève d'une façon ponctuelle, une fois,
C'est tout à fait nécessaire, parfois est valable et utile, mais ce sera peut-être moins pérenne que si ça a lieu plusieurs fois. Ben, c'est pareil pour le prof. Un prof qui a une relation bienveillante avec ses élèves, il va être en contact fréquent avec ses élèves. Des contacts où sa bienveillance va être comme réitérée à travers le temps. La rigueur, elle est là, dans la constance, dans la conséquence aussi. Si on n'est pas à la hauteur des exigences qu'on impose à nos élèves, parfois ça peut contribuer à un contexte tendu et nuire à la persévérance. Je pense à des profs qui sont extrêmement rigides sur la limite d'une remise de travail, mais qui remettent leurs notes toujours avec beaucoup de retard sur le délai prescrit. Ben, ça se peut que ça saute aux yeux des élèves et que ce soit un peu dérangeant et que ça nuise à la persévérance, effectivement. Alors donc, elle, dans son étude, elle nous donne des conseils pratico-pratiques. Alors, les liens fréquents, oui, la souplesse. Et cette souplesse-là, j'oserais dire qu'elle est intéressée. Moi, quand mon collègue de bureau me dit qu'il me trouve donc généreuse avec mes élèves, je lui fais remarquer que c'est une stratégie, parce que j'espère bien que cette souplesse me sera rendue quand moi, je me tromperai. Parce que bon, ça vous arrive probablement pas à vous, mais moi, il m'arrive d'en échapper parfois. Et j'espère bien que si je suis souple, magnanime et ouverte avec mes élèves, ben, ils me le rendront mieux et plus quand viendra mon tour. Donc, c'est intéressé, comme on dit en langage technique, win-win. Mais cette bienveillance-là, elle implique une constance, une durée, oui, une réitération fréquente, aussi des rétroactions positives, bien sûr, en particulier quand on parle de sujets sensibles, rappeler la bienveillance de façon explicite, c'est très riche et porteur. Puis je pense que vous, aujourd'hui, vous allez être moins récalcitrant que plusieurs profs. Oh là là, le temps file. Mais on peut faire une analogie avec la relation thérapeutique. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, le pacte thérapeutique a été renouvelé de telle sorte qu'un patient gravement malade se fait proposer par son soignant des options parmi lesquelles il va choisir. Parfois, c'est rhétorique, là, c'est un semblant de choix, mais quand même, on donne un pouvoir d'agentivité aux malades aujourd'hui dans le pacte thérapeutique. On devrait faire la même chose probablement dans la conversation pédagogique, donner à l'élève un pouvoir d'agentivité. Et malheureusement, les profs sont assez récalcitrants à cette analogie avec la relation thérapeutique, probablement que vous l'êtes moins, et cela vous honore parce qu'effectivement, c'est très fécond. Maintenant, je vais essayer de faire vite, je suis désolée. Je pense que ça avait été annoncé que ça terminerait vers 11h30. J'en ai encore pour quelques minutes seulement, promis, promis. On a plusieurs stratégies concrètes, nous, à proposer aussi, outre ça, les rétroactions positives, le lien fréquent, etc., pour aborder les sujets sensibles en milieu scolaire d'une façon la plus heureuse possible, féconde encore une fois. Ça, ben, c'est dans notre guide. Ce que vous voyez là, c'est la table des matières. C'est une portion de la table des matières de notre section sur le continuum des pratiques d'atténuation des sujets sensibles. Chacune de ces pratiques est détaillée avec des exemples, des témoignages dans notre guide que je vous encourage à consulter. Mais ce que je veux faire ressortir aujourd'hui, surtout, c'est certains éléments plus importants pour décortiquer de quelle façon cette bienveillance, elle peut s'articuler. Puis c'est un continuum, hein. Il y en a plein des pratiques d'atténuation. On n'est pas obligé de les adopter toutes. On n'est surtout pas obligé de les performer. Il ne faudrait pas développer une anxiété de performance. Il y en a en masse de l'anxiété autour de nous aujourd'hui. Puis on choisit celle avec lesquelles on est à l'aise. Moi, mon critère, c'est est-ce que je suis capable de la défendre en mon fort intérieur, cette pratique? Puis est-ce que je peux la défendre à mes proches? Est-ce que quand je suis confrontée par quelqu'un de mon entourage, ah, il est arrivé ça dans ta classe, je suis capable d'expliquer pourquoi j'ai choisi telle ou telle pratique? Il y en a plusieurs, donc, des pratiques. Puis, évidemment, les plus connues, ce sont les pratiques d'avertissement. Et puis, le trauma-avertissement, c'est probablement le deuxième sujet sensible sur la liste des sujets sensibles que je ne fais pas aujourd'hui. Après le sujet sensible lui-même, l'autre sujet le plus sensible, c'est probablement l'avertissement, la pratique de l'avertissement. Ben nous, en fait, on encourage tout le monde dans un contexte scolaire, pédagogique, c'est peut-être différent pour les intervenants que vous êtes, à éviter le mot trauma-avertissement. Un trauma, c'est très, très lourd, c'est intense. Puis vous savez très bien que dans la relation d'aide, le trauma-avertissement, ça a été étudié et son efficacité a été démontrée, par exemple, dans un contexte de stress post-traumatique. Faire revivre un événement traumatique à un patient, ça peut aider à déconstruire le trauma, à le fragiliser. Puis pour faire ça, on doit pratiquer un réel trauma-avertissement. Mais dans un contexte de classe, dans un contexte d'apprentissage, c'est assez rare qu'on a affaire à un réel trauma qui sera réactivé par quelque chose dont on s'apprête à parler.
Donc, en fait, on proposerait plutôt de parler d'avertissement de contenu, plus, de façon plus souple et plus modeste peut-être. On voudrait encourager tout le monde à mentionner le potentiel sensible d'une chose ou d'une autre dans un contexte scolaire. Puis ça peut être fait de façon très, très simple. Genre, quand j'annonce, moi, dans mon cours de littérature, que je vais faire lire tel livre plutôt qu'un autre, bien, j'explique pourquoi je veux le faire lire puis de quelle façon il m'a touchée. Mais en disant que cette œuvre-là, elle m'a traversée d'une passion dévorante, bien, je suis en train de dire que c'est un peu intense d'une certaine façon. Donc, c'est une méthode d'avertissement plus souple que le trauma-avertissement en bonne et due forme qu'on inviterait à délaisser, en tout cas. Bon, prendre le temps d'aborder les choses, ça aide, parce que le trauma-avertissement, il ne suffit pas. Il faut faire un peu toutes sortes d'autres pratiques, pas toutes ces pratiques, mais plusieurs autres pratiques pour compenser si le climat devient trop tendu. Puis tout ce qu'on propose, en fait, c'est une façon de minimiser l'aftercare nécessaire. Plus on fait des stratégies comme celle-là, moins on a à prendre soin des événements effectivement plus difficiles qui pourraient arriver après coup si on ne fait pas attention en amont. Donc, prendre le temps de parler des choses dans la patience, c'est utile, mais les avertissements, c'est utile aussi, puis on a plein de témoignages qui en témoignent. Des témoignages qui en témoignent. Je sortais de classe, moi, de 8h à 10h, je suis devant vous tout de suite après, vous me pardonnerez la pauvreté de ce vocabulaire. Mais bon, il y a ici deux témoignages qui illustrent ça, oui. L'avertissement, il est apprécié. Alors, par exemple, quand c'est fait, il nous a fait un avertissement pour parler comme quoi c'est difficile avant d'aborder le sujet, comme quoi ça allait affecter plus certains étudiants que d'autres. C'était efficace, ça a vraiment permis un plus grand confort dans la classe. Mais donc, quand c'est fait, c'est apprécié par les élèves. Tous les élèves auxquels on a parlé appréciaient la pratique de l'avertissement. On a un prof de bio de l'autre côté. J'enseigne la bio. Après plus de 30 ans d'enseignement, ma réflexion m'a amenée à prendre soin du ressenti des étudiants. Par exemple, avant de présenter un extrait vidéo, je présente le sujet, j'avertis que ça n'augmentera pas les chances d'avoir une meilleure note dans l'examen qui suivra, qui peuvent regarder ailleurs quelques minutes si c'est trop pour eux. Bien, lui, ça lui saute aux yeux l'utilité de tels avertissements. Donc, c'est apprécié par les élèves comme par les profs. Ça rend l'ambiance un peu plus légère, disons ça comme ça. Mais on est conscient que c'est un sujet litigieux, les trauma-avertissements. Vous avez, oui, entendu parler de cette étude-là, mais probablement qu'on ne devrait pas se fier à des études. On devrait surtout se fier à notre ressenti d'intervenant et de prof. Si dans notre expérience, c'est utile, on devrait continuer à pratiquer l'avertissement, peut-être en évitant le terme trauma-avertissement, mais en adoucissant nos méthodes pour avertir les personnes devant nous que ce qu'on s'apprête à vivre ou ce qu'on s'apprête à aborder risque d'être sensible. Oui, donc prendre le temps, alléger le programme, être transparent. Pour les profs, ça veut dire annoncer nos motivations pédagogiques, ça veut dire pratiquer le point de vue situé, dire d'où on parle, puis reconnaître nos limites, annoncer nos méthodes, référer à des ressources, puis éclater notre bibliographie, puis nos références peut-être. Quand ce n'est pas fait, c'est remarqué. Bien souvent, dans les cours de littérature, je n'ai même pas compris pourquoi on présentait ses œuvres, nous dit une étudiante. Mais c'est peut-être un problème. Puis là, dans ce cas-là, si l'œuvre est sensible, c'est encore plus heurtant. Alors, juste de dire pourquoi on met quelque chose au programme ou pourquoi on aborde un thème plutôt qu'un autre, c'est éclairant et c'est une façon d'avertir, au fond, de la charge sensible. Autre témoignage, ça aussi, c'était agréable de savoir qu'il y avait une adulte, en quelque sorte, qui avait pu vivre ça ou expérimenter ce genre de détresse. Alors là, c'est un long témoignage où une prof avait mis au programme une œuvre qui abordait des enjeux liés aux troubles alimentaires, puis elle avait vécu ça, puis elle en parlait en toute transparence. Alors évidemment, la salle de classe, ça ne doit pas être un espace thérapeutique pour le prof. Malheureusement, ça peut arriver parfois, mais il ne faudrait pas. Alors, ça doit partir d'un point de vue empathique. Mais ce que ça a eu comme conséquence, Shazia continue son témoignage, donc ce qu'elle nous partageait son expérience, les outils clés, elle en parlait sans tabou et vraiment, ça a fait qu'on se sentait confortable. Ce n'était pas juste un monologue. Puis ce que ça a eu comme conséquence, c'est que la parole de la prof dans ce contexte-là, dans son témoignage, elle est devenue plus légitime pour parler de toutes les autres souffrances, de toutes les autres discriminations. Alors, faire preuve de transparence, encore une fois, c'est stratégique. Ça peut être intéressé parce que ça rend notre parole plus valable encore. Ensuite, des pratiques de consultation, faire une sorte de pacte avec les gens devant vous, avec les gens devant nous quand on est dans une salle de classe, permettre de se soustraire au contenu sensible. Au fond, on l'a toujours fait. Hein? Moi, quand il y a des passages qui me semblent intolérables dans un film, je baisse les yeux. C'est ça, se soustraire. Alors, bien sûr qu'on peut le permettre à nos élèves aussi, puis si on le leur permet explicitement, ça allège un brin l'atmosphère. Ensuite, le soutien postérieur, c'est aussi, oui, une pratique autour des sujets sensibles, mais il est moins nécessaire si on a fait tout le reste. Puis si on a annoncé nos couleurs, on a été transparent, on a pris le temps d'en parler explicitement, bien, les élèves ont pu se préparer entre eux, par exemple, pour pouvoir être mieux équipés puis plus solides au moment d'affronter, disons ça comme ça, c'est un vocabulaire un peu connoté, mais enfin, le sujet sensible en classe.
Bon, je vais conclure très rapidement. Il y a un tournant affectif dans les sciences humaines et sociales actuellement, vous le savez très bien, probablement encore plus que plusieurs profs auxquels j'ai parlé au fil du temps. Et ce courant, dans le fond, il invite à délaisser la posture rationaliste très classique, qui a vraiment perduré dans la pédagogie en Occident dans les dernières décennies, pour adopter une posture plus affective, critique. Affective parce qu'on constate que l'émotion nous permet d'aborder le savoir, mais critique parce que l'émotion nous permet aussi de voir les jeux de pouvoir en présence. Et vous, encore une fois, probablement que vous êtes encore mieux outillés que les profs pour en faire l'expérience. Nous, on est représentants de ce tournant affectif et ce que nos données permettent de constater, c'est que il était peut-être temps. Et c'est salvateur, au fond, ça ajoute de la valeur à notre expérience dans une institution scolaire. Autre grande conclusion sur laquelle on veut vraiment insister, vous avez peut-être déjà entendu parler de Winnicott, là, ce psychanalyste américain, et de sa thèse de la mère suffisamment bonne. Dans les années 70, la figure parentale, c'était par définition la mère. Et puis bon, quand il parlait aux mères anxieuses, il essayait de proposer l'idée ou le remède de la thèse de la mère suffisamment bonne. Essayez de faire juste ce qu'il faut. Essayez d'avoir une réponse équilibrée. Faites-en pas trop peu, mais faites-en pas trop non plus. Ben, c'est peut-être juste ça qu'on devrait aspirer à faire collectivement par rapport au sujet sensible. Tout est dans l'intention, au fond. Est-ce qu'on est dans l'ouverture, dans la bienveillance, dans l'humilité? On a déjà toutes les clés en main pour aborder les sujets sensibles de la meilleure façon possible. J'ai déjà parlé du guide que vous pouvez consulter. Je suis allée vite là, vers la fin. Il y a des capsules vidéo qui s'en viennent par rapport à certaines notions théoriques très éclairantes pour parler de comment aborder des sujets sensibles dans un contexte scolaire. Puis, dans notre guide, il y a un plan d'animation, il y a des situations fictives pour nourrir peut-être entre vos murs ou auprès de vos communautés ou dans les safe spaces dont vous vous occupez, que sais-je, des ateliers de réflexion à partir de situations qui nous ont été rapportées, bien sûr, on a, disons, nourri ça, pour fournir des activités à tout le monde, pour qu'on soit tous un peu plus décomplexés devant ces choses-là, même si parfois, comme aujourd'hui, on est dans un contexte très tendu et très complexe néanmoins.